Lucie, 15 ans, le goûter. Yael a des ailes aussi belles que pastel. Il s'est fait virer de chez moi parce que ma mère ne l'aimait pas. Yael est trop gras. Bronnie aussi est partie, à cause d'une allergie. Lui ne vole pas. C'est 1000 pattes qu'il a, avec une odeur de noix. Si le goûter, c'est sucre à volonté, alors pourquoi s'en priver? Et si les parents disent non, on sera dégoûté. Et elle, le donut, est désemparé. Mais Bronnie ne laisse pas tomber. Il lui propose de voyager. Mais comment faire? Le mille-pattes ne sait pas voler. Mais le donut peut le porter. Dans les airs, il le trimballe jusqu'à un beau festival. Un bal, un carnaval ou une grande roue. Un manège un peu fou et des cris de partout. Yael se sent à son aise. Une bonne odeur de fraises, de caramel, de chocolat. Mais surtout de gras. Si le goûter, c'est sucre à volonté, alors pourquoi s'en priver? Et si les parents disent non, on sera dégoûté. Bronnie est heureux aussi. D'en haut, toutes les lumières le ravissent. Il regarde fièrement son ami en respirant une odeur de saucisse. D'en bas, Chujos et Barba Papa n'en reviennent pas. Un donut et un brownie viennent d'atterrir sans s'aplatir. Ils les applaudissent avant de partir dans les mains d'un gamin. Si le goûter, c'est sucre à volonté, alors pourquoi s'en priver? Et si les parents disent non, on sera dégoûté. Un petit maigrichon s'approche doucement. Tend la main prudemment et avale goulûment Donut et Bronnie qui rient sans aucun mépris. C'était leur destin de goûter, d'être mangé avec avidité.